Hey, salut à tous. Oh, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir cette boîte. Oui, une nouvelle Goddess Story qui est arrivée par chez nous. Et donc, du coup, nous voilà. On va attaquer cette boîte. Je suis très content, évidemment, comme d'hab. C'est celle-ci qu'on va faire aujourd'hui. C'est la NS06. Voilà, la boîte NS06. Que l'on va pouvoir faire tout de suite ensemble. Combien de paquets? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Là où je suis content, c'est que sur la boîte, je vois qu'il y a Marnie de Pokémon. J'ai tellement, tellement espoir d'avoir cette carte. On verra, ce sera la surprise du jour. Bon, j'attends d'autres personnages aussi. Mais voilà, j'espère qu'on va bien se faire plaisir sur cette boîte. On va pas perdre plus de temps, on va l'ouvrir tout de suite. Et découvrir ensemble, bah déjà, un, le nombre de paquets qu'on a à l'intérieur, ça c'est sûr. Et deux, bah, le nombre de cartes par paquet. Et j'ai l'impression qu'il y a du monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans cette boîte. Donc c'est plutôt cool. Hop. Oh, ouais, il y a beaucoup de monde. Oh, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, vache, il y a de quoi faire. Hein. Oh là là, oui, il y a de quoi faire. Ok, allez, on referme notre boîte. Essayez de refermer notre boîte. Voilà, on va la mettre là. Alors, combien ça nous fait tout ça de paquets? Combien il y a de cartes dedans? Je ne sais pas. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 paquets. 30 paquets à ouvrir maintenant tout de suite. C'est parti. Ça fait du lourd. Oh, j'espère qu'on a de belles choses. Je pose tout ça à côté. Toc. On va peut-être même rajouter un petit truc comme ça. Notre petit support pour avoir plus de cartes visuellement, on va dire, sur notre plateau. Et c'est parti. Le premier. Bon, déjà, ça s'ouvre beaucoup plus facilement. J'aime bien. Alors, comme d'habitude, hein, je le répète, je ne connais pas tout le monde. Donc, je ne pourrais pas, voilà, je pourrais pas vous annoncer, en tout cas, qui nous avons devant nous. C'est du R. On commence. Là, c'est chouette, hein. Les petites R, même les cartes un peu communes, entre guillemets, elles ont un petit effet plutôt sympathique. Oh, ça, c'est joli. J'aime beaucoup. Oh, très joli aussi ça. Hop, du R de nouveau. Attendez, hop, on va mettre ça là. Et derrière, une SSR directe pour attaquer le truc. Oh, charmant. Très charmant. J'aime bien. Très jolie carte. Hop. Oh ben non, même, vous savez quoi, regardez. Touc. Voilà, c'est la première arrivée. Elle mérite sa petite place. Elle est très jolie. Allez, on continue. C'est pas tout ça, mais il y a un paquet de paquets à ouvrir. Oh, j'aime beaucoup ça. Magnifique. Ouais, ça j'adore. Ouais, ok. Ouais, derrière on a du SR. Hop, oh! Alors là, je suis content. Oh, bah oui. Oh, un personnage que j'aime beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. C'est cool. Ça, c'est cool. Petit personnage de Date Alive. J'adore. J'aime bien. Hop, ça mérite pour moi d'être là directement, sans se poser de questions. Allez, à suivre. Toujours de belles cartes. Hein. Franchement, toujours de très belles cartes. Oh, c'est mignon ça. J'aime beaucoup. Très très joli. Ok.
très simple. Et derrière, on a du SR. Oh, charmant. Hop. Petit SR. On va mettre là les SR. Allez, go. Qu'est-ce que j'aime ces boîtes. Qu'est-ce que j'ai plaisir à vous les partager, ces ouvertures. Ça, je connais déjà. Oh, très joli. Ça n'est qu'une R. Bah, dis donc, elle est bien, bien jolie. Derrière, ça brille de mille feux. Je ne sais pas ce qu'on a. Pardon. Ça aussi, je connais. Une SR. Charmant. Hop. Tac. Et un suivant. Ah, c'est l'heure de la piqûre. Très bien. Hop là. Ok. Ah, ça, on l'a eu tout à l'heure. Une SR. Oh, très jolie. Très jolie. J'adore les effets, ils sont vraiment magiques sur ces cartes. On va la mettre là, pour la SSR. Ensuite... Ça s'ouvre quand même bien plus facilement qu'une certaine boîte qu'on a fait ensemble. Oh, pas mal. Mignon. Oh, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Et une ESR derrière. Très joli. Ah là là. Ces boîtes de Godess sont juste splendides. Ça, on l'a eu tout à l'heure. De toute façon, on va avoir du doublon, ça c'est évident. Surtout sur les R. Charmant, très mignon, et derrière une SR, un petit peu plus épaisse j'ai l'impression, bon, enfin c'est une impression. Hop. Bon, à chaque fois, hein, comme vous pouvez le voir, sur chaque paquet, on a quoi qu'il en soit, donc du R ça c'est sûr, et derrière pour finir, soit une SR, soit une SSR pour le moment. On a toujours une beaucoup plus rare dans chaque paquet, ça c'est plutôt cool. On l'a eu tout à l'heure. Une SR mignonne. Très jolie. Hop. Bon, évidemment, les SSR, on va en avoir beaucoup moins. On en a eu deux déjà, c'est plutôt pas mal. Ça c'est marrant. Très joli. Très joli ça. Ok. Et une SSR. Bah, il suffisait d'en parler. Oh, j'adore. Trop cool. Trop cool. La petite patte. Le petit cocktail. Le petit chat. Juste trop mignon. Allez, on va la mettre là. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ok. Ouais, on a quand même pas mal de doublons. C'est normal, hein, c'est juste logique. Hein. Celle-là, on l'a bien tombé déjà aussi. Hop, ce qui nous importe, c'est surtout les SR. Les trucs un peu plus rares, les SS, R et ainsi de suite. Ok. Oh, alors là, une petite R bien sympathique. Ça, j'aime beaucoup. Et derrière, on a une SR. Hop. Limite, j'ai presque une préférence sur la R
que sur la SR. Que voulez-vous? C'est ainsi. Allez. Hop là. Paquet suivant, ça on l'a eu tout à l'heure. Également. Oh, joli. On l'a eu tout à l'heure aussi. Ouais. Et la SR, que voici. Très mignonne. J'aime beaucoup. Sympa. Pour le moment, toujours pas de carte que je pouvais éventuellement attendre. Oui, les petites R que j'aime beaucoup. Oh, là, c'est presque un doublon de paquet. Et une SSR. Charmant. Très belle carte. Ah, j'ai pas assez sorti de protection. Non, elle est jolie celle-ci par contre. La petite rose. Petite rose ici. Petit pendentif aussi qui brille. Non, c'est classe. Ça, c'est très joli. Allez, on va la mettre là. Toc. À suivre. Ouais, par contre, effectivement, quand on ouvre des boîtes comme ça, tout ce qui est R, on va manger beaucoup, beaucoup de cartes identiques. Hein. Ça, c'est évident. Oh, encore une fois, de la piqûre. Ouais. Pas fan. Ah, j'ai le droit de le dire aussi. Comme ça, en même temps, vous allez voir un peu mes préférences. Et pour le moment, pas de personnages que j'attends. Oh, elles se suivent. Une SR, on l'a pas eu déjà celle-ci? Ça me dit vaguement quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu ça? Autant pour moi, ça ressemble. Allez, hop. À suivre. Ok. Re. Et une SR. Sympa. Pas mal. Hop. Pas mal. Allez, je vais déplacer ce paquet-là. Parce qu'on est déjà à la moitié. Histoire de gagner un peu de place. Et c'est reparti. Hop, on va le mettre là, le paquet en question. Et on continue. Ok, elles se suivent tout le temps. Ces deux-là, il n'y a pas photo. Vous en avez une comme ça derrière, c'est obligatoirement celle-ci. Et on suit avec ça. SSR, et hop. Charmant. Très joli. Ouais, très très sympa. Ça nous fait combien ça? Sur la moitié d'une boîte, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 SSR. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais pas de rareté au-dessus pour le moment. Très bien. Très. Ok. Et une SR. Ah, c'est marrant. C'est marrant. J'aime bien après sur les SR, ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même. Ils ont fait quand même des holos différents. On a vraiment des choses un peu différentes à chaque fois, et ça c'est cool. On n'est pas resté bloqué sur un seul motif en hologramme. Et ça c'est vraiment chouette, pour le coup. Alors, ok, SR, les petites oreilles, à suivre,
Attention. Ils ont changé? Ah, ils n'ont pas changé, hein. Regardez ça. C'est à ça, par contre, c'est assez hallucinant. Et de nouveau, celle-ci derrière. Ça, j'avoue que pour le coup, c'est très, très, très... ils auraient pu un peu mieux mélanger nous, au niveau des R. Et une ESR qui finit. Oh, très joli. Oh, le motif derrière est magnifique. Très beau dessin. J'aime bien. Elle est mignonne. Mignonne, cette carte. Alors, on retrouve la piqûre. C'est pareil, t'as l'impression que ça se suit quand même, hein, tout ça. Et une SSR, hop. Ok, pas mal. Pas mal. Pas mal. R par contre, mais Dieu qu'on les recrute toutes, quoi. Toutes, toutes, toutes. SR. Oh, trop chou. Ça, je kiffe. Ce genre de choses, j'aime beaucoup. Ça, j'adore. Ça, c'est très drôle. Pardon, ça, c'est très drôle. Hop, on va mettre là. Ça, j'adore. Ça, c'est marrant. C'est très léger. Ah. Alors, un petit problème d'ouverture. Est-ce que c'est bon signe? Peut-être. Peut-être qu'on va tomber sur les cartes qu'on recherche. Enfin, que je recherche. SR. Ok. C'est très solaire. Hein. Très, très lumineux. Vraiment cool. Oh, c'est mignon ça. J'aime bien ça. C'est marrant. Ok. SR de nouveau. Du cheveu rose. Très mignonne. J'aime bien. Jolie carte. Ah, enfin quelque chose qu'on a. Ah, si, peut-être qu'on a eu ça tout à l'heure. Je ne sais plus du coup. Si, si, on a eu tout à l'heure. Ah, ça va revenir à fond maintenant. Sur d'autres modèles et une ESR, très bien. Et toujours pas de carte, attendez. Ça, on a vu tout à l'heure aussi. ESR, classique, efficace. Très bien. Allez. Ça, on a eu. Ça aussi. SR. Très joli. J'aime bien, moi, ce genre de choses. Hop. Pas assez dark pour moi. Mais j'aime bien. Hop là. Oh, une qu'on n'a pas eue. Pas le souvenir en tout cas. Très bien. SR. Ok. Quelques petites protections encore à sortir. Tchouk. Les deux derniers. Allez, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. De tomber sur Marnie. Allez, ça me fait tellement plaisir de tomber sur Marnie. Allez, go, go, Marnie, Marnie, Marnie. Ok. Ok. SR. SR, pas Marnie. Très joli, par contre. Mais c'est pas Marnie. Alors, elle est là ou elle est pas là? Ah, ça serait cool. Ce serait cool. Allez, c'est parti. Le dernier paquet. Ça, on connaît. Tout ça, on a vu.
Ah, je pense que ce sera pas ça. Non, c'est pas ça. On finit sur une ESR. Alors, le bilan. 30 paquets. Ok, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Les classiques, on les pousse. Je ne vais pas compter les SR parce qu'il y en a un bon paquet. On va surtout compter les SSR. Sur 30 paquets, on a quand même pas mal de choses. Pas mal de lots. Des SSR, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. On en avait eu cinq sur la première partie de la boîte. On finit avec six. Bon, c'est pas mal. Ce qui veut dire qu'on a 24 SR. Pas de MP ou autre de qualité supérieure. Ça peut arriver, certainement. En tout cas, je suis ravi. Très, 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 très content. On va décaler un petit peu. J'ai quand même quelques cartes que j'affectionne hein, dans ce qu'on a eu. Hein, je vais pas vous le cacher. Hop là, voilà, histoire de l'avoir un petit peu mieux. La petite mignonne, là, juste là. Touc, voilà. Bon, bah, écoutez, pas mal. Pas mal du tout. De belles choses. Moi, je suis ravi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Donc, c'était la NS06 qu'on vient de faire comme boîte. Certainement appelé à la refaire, hein, étant donné que certaines cartes que je recherche ne sont pas tombées. Et je irai jusqu'au bout pour tomber dessus, ça c'est sûr et certain. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de découvrir cette boîte avec vous. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et puis évidemment, je vous dis à bientôt et à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!